Tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, aujourd'hui, on va parler d'un petit 2 pouces, le petit Egg 2 HD de chez Aurora RC. Donc juste avant de développer, une petite info, j'ai toujours pas de nouvelles des gagnants pour le concours permanent. Donc bah, comme vous le savez, généralement quand j'ai pas de nouvelles, au bout de 8-10 jours, je mets les cadeaux en jeu dans une vidéo. Donc la prochaine vidéo, je pense qu'on mettra en jeu ce qu'il y avait dans le concours permanent, tout simplement le casque, le Q10, ainsi que le petit Ligou. Donc soyez à l'affût. Et on verra également très bientôt une petite caméra Imu Ranger 2C. Très sympa, petite caméra. Je vous en montrerai une et l'autre, je vous l'offrirai bien sûr directement dans la vidéo. Donc il va y avoir des cadeaux dans les prochaines vidéos. Pourquoi je fais cette petite caméra? Parce qu'elle est particulière, elle a des choses en plus. Vous le savez, je ne ferai pas de caméra régulièrement si ce sont les mêmes produits à chaque fois. J'essaye de montrer des caméras quand il y a des nouveautés, tout simplement, quand il y a une évolution sur la caméra. Et là, on a quelques évolutions de la part de chez Imu. Donc on verra ça très bientôt ensemble. Sinon, dernière chose, le petit casque Wi-Fi dont je vous avais parlé, le micro casque gamer Wi-Fi. Yacine est en train de l'essayer, donc on se fera certainement une petite review avec Yacine et je vous offrirai ce casque aussi. Allez, pourquoi pas, pendant qu'on y est. Donc on se fera une petite review avec Yacine qui est K-Contact de chez K-Contact, donc qui est chez lui, mais on se fera cette petite review la semaine prochaine, mercredi ou samedi, je ne sais pas, mais on se le fera en réseau directement, comme ça on aura ses impressions directement avec le casque et ce sera plutôt sympa. Il a pas mal de choses à nous dire et comme ça vous saurez si le casque vous plaît ou pas. Bref, aujourd'hui on parle du petit Egg 2 HD de chez Aurora RC. Alors sachez qu'il y a deux frangins dans cette catégorie là, donc là on est sur un petit 2 pouces, il y a donc le Egg 2 HD et il y a également le Demon. La grosse différence qu'il y a entre les deux, il y a une petite différence au niveau des moteurs, 12.04 pour 13.03, un truc comme ça, mais la grosse différence c'est que le Egg 2 est un push tout simplement, donc les moteurs sont montés à l'envers comme vous le voyez, et le Demon c'est pas un push, donc les moteurs sont dans le sens normal tout bêtement. Donc la version que j'ai moi ici, c'est la version HD, avec du Cadix Vista bien sûr, et la caméra c'est une Nebula, mais je crois que c'est la V2, hein, je pense, parce qu'il y a une petite amélioration quand même par rapport à la V1, donc ça doit être la Nebula V2. Ce petit engin coûte quand même une petite blinde, hein, on est en dessous des 300€, donc je verrai bien sûr si j'ai un coupon, je vous mettrai le coupon avec, évidemment. Je vous mettrai le lien aussi du Demon, parce que je vous dis, c'est sensiblement les mêmes engins. Voilà, donc après, il y a l'esthétique, le look qui change un petit peu. L'avantage, c'est qu'on sait que la frame du Demon, même si là, elle est à l'envers sur le Egg, bah, c'est exactement la même. Les frames sont compatibles, donc on aura des pièces détachées, que ce soit des moteurs, puisque les moteurs, on les connaît, ou la frame, on va pouvoir avoir de la pièce détachée. Donc moi, c'est la version Nebula, la version HD en Crossfire. Donc tout est fourni pour monter la petite antenne directement sur la canopée. Donc c'est un petit 2 pouces, donc 100 mm de moteur à moteur. On est à 13,5 par 13,5 ici sur les longueurs largeurs, 16,5 environ sur la diagonale, environ exactement d'ailleurs, 16,5, pour à peu près 7 cm de haut. La Cadix Vista, elle, est montée sur le dessous. Ici, par rapport à la carte de vol, la carte de vol, c'est une F411 AIO Pro, F411 Pro, professionnel, AIO, avec deux UART simplement disponibles. Les petits moteurs sont des Xing Nano, on les connaît, c'est les moteurs de chez eFlight, en 13.03 5000 kV. Les autres sur le Demon, c'est des 12.04, je crois, mais en 5000 kV également. Donc la carte de vol est compatible, elle, jusqu'à 6S, mais les moteurs, eux, ne prennent que jusqu'à 4S. Donc là, c'est une version 4S pour ce petit engin qui fonctionne super bien en 3S, qui peut fonctionner en 2S, mais alors, ça rame un peu. Mais 3S, 4S, le top. Petite antenne ici, Cadix FPV, qui marche super bien. Franchement, j'ai pas eu de soucis de réception. Donc le principe de ce petit Egg, c'est justement d'être un pusher, donc d'avoir les moteurs inversés et d'avoir une meilleure protection. Et en plus des protections d'hélice qui sont montées indépendamment sur la frame fait 2,5 mm d'épaisseur et elle est plutôt bien finie. Le carbone a l'air de bonne qualité. Donc en plus de ces petites protections ici plastiques, il a bien poqué et il n'a rien. Voilà, j'ai fait quelques petites gamelles. Je vous les mettrai vite fait pendant que je vous parle et j'ai eu quelques petites gamelles qui étaient assez sympathiques. Dont une contre un mur, blam, tombée sur le ciment, enfin bref, je peux dire qu'il est résistant. Donc en plus de ces petites protections d'hélice, on a ce contour mousse
Donc on est résistant, mais on est légèrement flexible. C'est ce qui fait qu'il n'est pas forcément super cassant. Bon, après, j'ai pas pris un mur ou un arbre à fond de cale, ça c'est clair. Mais on a vraiment une bonne résistance ici, que ce soit pour aller taper, tapoter des murs ou des petits obstacles. Donc on a une bonne petite résistance. J'ai même pas retiré les petits caches en mousse. Vous voyez, on peut ouvrir. Là, on allège énormément l'engin. Mais voilà, cette petite protection mousse supplémentaire qui amortit vraiment les chocs. Des petites hélices Q-propres 2x2x4, des 4 pales. Bah écoutez, ça fonctionne plutôt pas mal. Je sais pas, j'ai pas forcément d'autres hélices. Les seules que j'ai, c'était des Gemfan, je crois, mais c'est du 3 pales. C'était plus pour des petits engins type race plutôt que ça. Je pense que là, les 4 pales suffisent largement parce que ce petit engin n'est pas un engin freestyle, c'est clair. Ça, on va le voir en vol. Sinon, dernière chose, bah, on a le petit condo directement sur la prise XT30. Qui est ici à l'arrière. On a un petit support TPU sur le dessous. Alors ça, le souci de ça, par contre, c'est que ça n'accroche pas du tout les batteries. Et le problème, c'est que sur le TPU, il n'y a rien qui colle, il n'y a rien qui tient. Aucun pad ne tient là-dessus. Donc la petite astuce que j'ai trouvée, c'est de coller un petit pad translucide ici sur ma lipo directement et que je le mette sur le TPU ou contre la sangle, ça permet d'avoir un petit grip supplémentaire. Aujourd'hui, on va le tester donc avec une 4S 450 mAh. J'ai testé avec du 650 mAh, c'est trop lourd pour lui. Il n'y a pas forcément de chauffe moteur, mais on le sent direct au décollage, ça vacille un petit peu, ça, il se laisse emporter par le poids. Donc pas plus que 450 mAh. Donc là, Tattoo 450 mAh 75C, c'est à peu près ce qui est recommandé, et j'en ai qu'une, donc ça tombe bien. Sinon, on va tester également en 3S. Là, j'ai une Graphene TBS en 520 mAh, mais LIHV. Et j'ai également une Tattoo Airline 550 mAh 95C en 3S aussi. Et vous allez voir, ça vole super bien en 3S. On va se faire un petit vol en indoor. Dans la maison, vite fait, vous allez voir, il n'y a pas de vibration inopportune, ça se passe plutôt bien, même s'il est un peu plus lâche que certains, un petit peu plus drifteux, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si il est hyper bien tuné. Voilà, j'ose pas trop toucher au PID, parce que j'ai pas de vibration spécialement ou ce genre de choses. Les moteurs ne chauffent pas. Donc j'ai pas la sensation qu'on ait besoin de toucher au PID, mais c'est vrai que bah, avec sa conception, il se retrouve un petit peu plus lourd que certains. On est à 120 grammes, 119 grammes, je crois, sans rien, sans lipo, et on monte à 160 grammes avec une lipo 4S 450 mAh, ou même avec les autres lipo 3S, c'est le même genre. En 3S, je vous dis, je suis monté jusqu'à 550, je pense qu'il va accepter une 600 mAh en 3S, à mon avis. Vous pouvez même mettre du LIHV sans aucun problème, et vous aurez pratiquement la même autonomie. Donc voilà, le petit corps en TPU, plutôt bien fini. Je lui ai trouvé une bonne tronche à ce petit Egg 2. La caméra est plutôt correctement protégée, même si la lentille reste quand même un peu exposée, mais plutôt pas mal fini et surtout résistant. Donc voilà, petit budget quand même, puisqu'on est dans les 250-300 euros à peu près. Donc petit budget, mais on a quelque chose avec une bonne caméra, bien sûr, c'est super propre, super net, spécialement étudié pour le cruising, selon moi, et... pas trop freestyle, même si on peut faire quelques petites figures, vous allez le voir, il n'est pas fait pour ça. On a un peu de propwash à cause de la petitesse des hélices et le poids de l'engin, mais on peut quand même faire quelques figures sans aucun problème. Hop, sinon au niveau du contenu de la boîte, donc voilà la petite boîte Aurora RC. Il n'y a pas grand chose, on a une petite instruction ici avec bien sûr les connectiques de la carte de vol, donc ça c'est plutôt pas mal, vous avez tout en éclaté, c'est propre, et les méthodes de bind, hein. Il est disponible en FlySky, en FRSky, en TBS Crossfire comme là, ou même si vous avez la radiocommande DJI bien sûr, puisque là c'est la version HD. Et de l'autre côté de la notice, super important, il n'y a rien, vous pouvez faire des petits dessins. Donc on aura un superbe petit autocollant Aurora RC, on s'en fout, on aura quelques petites visseries et boulons ici si vous avez besoin, également la petite notice du système HD de la Nebula pour moi ici, et par contre je n'ai pas d'hélice de rechange, je n'ai pas de protection d'hélice de rechange, ça pour moi c'est une erreur de la part de Aurora, au moins de mettre des hélices de rechange, pour moi c'est un minimum, voilà, il nous manque ça en spare. Je sais que sur le Daemon, je sais pas s'il y a les hélices, mais en tout cas sur le Daemon on a une petite plaque en mousse comme ça, qui se colle directement sur les protections d'hélices. Donc si vous pétez une protection d'hélice, faudra décoller le truc en mousse. Pas sûr que vous puissiez le recoller par la suite sans... je sais pas, moi si, on va peut-être pouvoir le décoller.
Mais voilà, on n'a pas de protection d'hélice en rab, on n'a pas d'hélice en rab. Et ben rien que pour ça, Aurora, je vais t'enlever un point ou deux, parce que pour moi, c'est le minimum. Voilà, d'avoir des hélices, on sait jamais ce qui peut se passer. Aurora, tu le sauras pour la prochaine fois, je veux des hélices de rechange. Merci, ce serait sympa. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce petit engin, donc spécial cruising pour moi, vous allez voir, je me suis bien éclaté avec mon petit cruising, surtout avec le Crossfire et le système DJI, c'est vrai qu'on peut pousser un petit peu en distance dans les petits chemins et c'est agréable. Donc on va tout de suite voir le test en intérieur, ensuite on part au petit parc, donc je suis déjà allé voler hein, bien sûr, donc là je fais mine que rien, après on va au petit parc pour faire le test en vol à vue vite fait, et puis le test en FPV en 4S, 3S, vous allez voir, et on revient tout de suite pour conclure et vous dire ce que j'en pense. Allez, c'est parti pour un petit test en indoor. Ah, gros plan sur Martin Blachier. Donc je reste en mode stabilisé pour l'instant en indoor. On est en 3S et l'IHV. J'ai besoin de mettre pas mal de throttle quand même pour l'emmener. On va essayer de voler en douceur. Dans un premier temps. J'ai l'impression d'avoir un peu de flottement. Bon, l'image est super propre, hein, c'est clair. La Nebula V2 marche plutôt bien. Profiter que ma fille n'est pas dans le coin pour aller visiter sa chambre des années 80. Et oui, c'est bien le Egg 2. Salut Egg. Test Killer est pas là. On reviendra plus tard. Donc ça va, il se manie plutôt pas mal. Pour comparer, j'ai un peu plus de flottement qu'avec le Flippo. Certainement dû au poids légèrement supérieur de l'appareil. Et les plus petites hélices. Il fait plus de bruit également. Pas de vibration. Donc ça va, pour l'indoor en 3S, c'est plutôt suffisant, j'ai envie de dire. Là, j'arrive à 3,5 V et je suis à 2 minutes 30 de vol. Mais c'est une 520 mAh. C'est pas une grosse capacité. Donc on va se poser là, à 3,5 V. Tech ! Désarmé. Hey ! Bon ben on se retrouve au petit parc quand même pour un petit test en vol à vue. Donc j'ai qu'une 4S 450 mAh, donc je vais l'installer pour le vol à vue, qu'on se rende compte vraiment de ses réactions. Aujourd'hui on a un petit vent qui n'est pas idéal pour lui. On doit avoir un vent panaché à peu près, genre force 4. Ah ah, c'est super drôle. Bref, donc on va se faire un petit test en vol à vue. Et ensuite j'ai une 3S 550 et une 3S LIHV en 520. Et je pense qu'on ira se faire un peu de cruising. Parce que comme je vous l'ai dit, à mon avis, il est vraiment pas fait pour le freestyle, c'est surtout un cruiser. Alors let's go. Donc on va rester en stabilisé bien sûr, voyons ce que ça donne en vol à vue. Assez bruyant, donc là le vent va de droite à gauche, regardez, je lâche tout, hop. Alors on va se faire un petit test de punch, voir tout de suite ce que ça donne avec donc la 4S 450 mAh. 3 2, 1. C'est pas hyper péchu, hein. Ça suffit pour reprendre après une petite figure. Mais comme je vous dis, pour moi, il est vraiment pas fait pour de la figure.
Donc, par contre, apparemment, ils volent sainement quand même. Mais on aura certainement de grosses vibrations aujourd'hui. Bah, je me pose et on teste en FPV vite fait la 4S. Tech. Synchronisé. Oh, le vent se lève pour Danette. Allez, c'est parti. Mode accro. Il me reste 4 volts dans la lipo. Bah, posé, bien sûr. C'est parti, let's go. Je suis déjà à 3,7 V, ouais, ça bouge. Ça vibre pas mal. Donc ça doit bien être la Nebula 2, hein, je pense. La Nebula V2, selon moi. Les images sont propres. Ouais, ça remue pas mal. Hein. Donc ça pousse un peu, c'est sûr. Pas mal de propres wash en sortie. Ça va. Bon, je dis pas qu'on peut pas freestyler, hein, mais il est lourd. Hein. On est plus sur un appareil cruising. Oh là là, je suis déporté sur la gauche là. Donc maintenant, ça va être sur la droite. Ça va, il est assez précis. Comme je vous dis, on a assez confiance parce que la frame est costaud. On est bien protégé. Donc on a confiance quand même. Même si je ne garantirais pas un choc à pleine vitesse contre un arbre, hein, c'est sûr. Tout est relatif encore une fois. Là, je suis à 2 minutes 10 de vol, sachant qu'on a fait un petit test de punch rapide. Ouais, ça bouge, hein. Les images bougent énormément au sol. Allez, 3,4 V. On va se poser, j'insiste pas. Ah, 3,5 V quand je réduis un peu. Allez, on va s'arrêter là, on va aller faire un peu de cruising. Resynchro. Donc 3S, 550 mAh, et là, comme vous l'avez vu, j'ai le vent dans le dos. Donc je vais essayer de pas trop pousser sur les gaz. Donc par moment, j'ai un peu moins de vent par ici. Mais ça reste quand même assez venteux. Vous voyez, ça bouge un peu. Hein. On le voit. Là, on n'a pas d'image stabilisée du tout. Là, ça souffle un peu plus. Oh, j'ai du monde là. Un chien. Promenade. Bonjour. Bah écoutez, le 3S suffit largement pour du cruising.
Donc là, c'est la 550, c'est pas la Eli HV en 520. J'ai pas mal de portée quand même. Je vais pas aller trop loin, parce que plus je vais loin, plus il faudra que j'aille le chercher loin. Mais il se débrouille bien en cruising, hein, c'est clair. J'ai une mobilette dans le dos. Ralentir un peu, je suis à 3 minutes 10 de vol. C'est bête qu'il y ait ce vent, parce qu'il a pas l'air mal hein, pour se balader dans les arbres. Salut les Jones. Ouais, sympa, hein. Sympa de pouvoir faire des petites balades comme ça. Une fois qu'on le sait, une fois qu'on n'a pas acheté cet engin-là pour faire du freestyle, il y a vraiment moyen de s'amuser. Là, je vais arriver à 3,5 V. On va se poser. Je suis à 4 minutes 10 de vol avec cette 550 mh. Donc là j'ai mis la 3S en Eli HV 520 mAh, on va voir ce que ça donne, on va pousser un petit peu, j'ai augmenté légèrement le tilt, donc ben, on va se cracher. Allez c'est parti. Heureusement que l'image est claire hein, parce que ça bouge vraiment. Hein. On sait, hein, c'est le genre d'engin à vraiment avoir de la prise au vent. Après, même en 3S, hein, il conserve sa puissance. On peut carrément faire du vol que en 3S. On garde de la pêche. Assez précis. Pour un engin qui fait 150 grammes avec la batterie. Bah écoutez, il y a moyen de s'amuser. Hein. En tout cas, ça vole et ça vole bien. La portée est bonne, forcément, je suis en crossfire, je triche. Allez, on envoie du bois un petit peu. Ah, c'est pas mal. Donc là, en ayant poussé un peu plus, j'arrive à 3,6 V là. Hop là, hop là, hop là, j'ai vraiment des petites rafales dans le dos. Pas si vous l'entendez parce que j'ai le vent dans le dos, donc je pense pas que dans le micro vous l'entendiez, mais j'arrive donc à 2 minutes 30 de vol pratiquement. Voilà, on y est.
et j'arrive à 3,5 volts. Allez, on va pas insister. Bien. Allez, coucouche panier. Ma foi, je peux pas faire plus précis. Oui, je sais, c'est pas un plan excellent. Donc voilà, j'espère que ce petit vol vous aura plu. Bah écoutez, j'aime bien ce petit Aurora. Alors, on voit que ça bouge hein, pas mal sur les images, mais ça c'est vraiment le vent. Aujourd'hui, on a un vent panaché, comme je vous ai dit. On avait un bon petit vent quand même. Donc il résiste bien, il se pilote quand même malgré le vent. Mais c'est vrai qu'on a ces petites... C'est pas des vibrations, hein, ça remue, ça tangue un petit peu. Il a tendance à bouger parce qu'il prend le vent justement. On voit qu'on a une grosse prise de vent. J'aurais peut-être dû d'ailleurs retirer ces petits trucs en mousse là. Ça fait un passage d'air, je suis pas sûr que ça change quelque chose, mais ouais, on a une grosse prise au vent, donc c'est vrai que bon, on n'aura pas l'image super stable quand on est en plein vent. Par contre, vous l'avez vu en indoor, il n'y a pas de vent, donc ça bouge pas. Voilà, c'est propre, c'est à ça que je vois qu'il est quand même plus ou moins bien tuné, même s'il mériterait, je pense, un petit peu de réglage PID. Donc je verrai par la suite, j'ai pas voulu changer pour l'instant. Vous retrouverez à la fin de ma vidéo tout mon Betaflight avec les rates que je lui ai attribué, bien sûr. Et puis si vous avez des questions, on se retrouve dans les commentaires, bien évidemment, comme d'habitude. Donc voilà, bah pour finir sur ce petit Aurora, bah moi je pense qu'il vaut quand même son investissement, même si c'est quand même un investissement, pour sa durabilité, pour voilà, il est résistant, il est bien protégé. Par contre, à votre place, si jamais vous décidez de le prendre, bah pensez à prendre des hélices supplémentaires. Et peut-être un petit châssis de rechange, au moins les quatre protections d'hélice et la petite partie en mousse. Je vous mettrai ça en description si jamais je trouve tout ça, avec les liens et les coupons bien sûr. Mais voilà, sinon, pas mal sain. Voilà, il tourne bien, la carte c'est de bonne qualité. Encore une fois, on a une super image forcément. Et une bonne portée, une bonne réception. Donc ouais, pour du petit cruising, pour de la balade derrière chez soi, dans le parc, dans le jardin, etc. La prochaine fois que je revolerai avec, je vais choisir un jour sans vent, bien sûr. Si je suis pas tenté d'aller voler avec mon oiseau, du coup. Mais un jour sans vent, ouais, j'irai me balader certainement, parce qu'il donne envie d'aller se promener dans les arbres, dans les branches, de passer le long des obstacles, et d'aller se faufiler dans des trous de souris, parce qu'il n'est pas bien gros et bien protégé, encore une fois. Donc pour moi, il sert à ça, voilà. Faire de l'inspection, de l'exploration, tout simplement. Si vous voulez aller voir vos combles, si c'est propre, ça peut être pas mal. Donc voilà, faites-vous votre propre petite idée sur ce petit engin. Pas ouf, mais il fonctionne bien, et voilà, si on sait pourquoi on l'achète, on sera pas déçu, je pense. Le matériel utilisé a l'air résistant, voilà, ce sont des bons moteurs, c'est une bonne carte de vol. La caméra, on va pas en reparler. Il est plutôt bien fini, voilà. Donc peut-être que j'aurai l'occasion de tester le Daemon, je vais voir ça. Mais en attendant, celui-là, ben moi je valide, même si il est un petit peu cher pour moi. Pour ce genre de choses, j'estime qu'entre 230 et 260, ce serait plus correct si c'était possible. Mais donc voilà, à vous de voir. Très bientôt, on verra aussi, Mariette m'a proposé, ne le cherchez pas sur Banggood, vous ne le trouverez pas pour l'instant, il n'est pas encore rentré dans les dossiers, le petit eShine Novice 4 qui va sortir. Moi, j'avais bien aimé le dernier. Novice 4, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Bah écoutez, il a l'air ultra complet, le Flymore combo avec un bon petit chargeur, un bon petit transfo, avec un petit masque correct apparemment, avec une bonne petite radio, je crois que c'est une TX-12. Pas le dire. Voilà, je l'ai vu qu'en photo, mais ça a pas l'air mal, donc je sais pas à quel prix il va être proposé. Moi j'ai demandé le Flymore combo pour voir tout ce qu'on peut avoir au maximum. Donc petit pack débutant encore qui va arriver, et je pense qu'ils vont en faire de plus en plus. Et plus ça va, plus les packs débutants seront valables, je pense, avec des bonnes radios, enfin des radios plus que correctes, et du bon petit matériel. Les débutants n'ont qu'à bien se tenir, il va y avoir du matos pour eux, je pense. Donc voilà, vous le savez, vous retrouvez dans ma description tout ce qui va être bientôt à venir, pas tout, parce que je garde encore quelques surprises. Dans bientôt en vidéo, vous retrouverez dans ma description ce qu'on va bientôt voir ensemble. Vous retrouverez le tableau de coupons et promos, bien sûr. Si vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas à utiliser mes liens, bien évidemment, qui sont des liens affiliés, vous le savez. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous tous d'être là. Et puis moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Courage à ceux, à tous ceux qui sont commerçants, etc., etc., pour passer cette période de...
vivement qu'on s'en sorte. Heureusement, nous, on peut encore aller voler. Ça, c'est plutôt correct. On va pas se plaindre. Et puis, sinon, à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao.